Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Attack on Titans. Alors ceci est un jeu qui est basé sur le manga et animé super populaire Shingeki no Kyojin. Alors ce jeu existe depuis une éternité au Japon, c'est-à-dire depuis février, mais ça vient de sortir aujourd'hui partout dans le monde. Alors c'est le moment d'y jouer les amis, on va jouer en mode attaque, c'est le mode histoire. Alors let's go, et je vais tenter de ne rien spoiler parce que je suis le manga donc je vais fermer ma gueule. あれから2年、志願しな校を出た3人は大百四期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした？第百四期訓練兵団。ここには役立たずしかいないのか？実体起動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。 今の貴様らは、せいぜい巨人の餌になるしかない、ただの家畜。そんな貴様らに、我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ、必死に食らいついてこい。次、用意はいいか？ Ok, c'est bon. Donc ça c'est un tutoriel. Super cool. Parce que là on peut pas m'envoyer en combat si je sais pas comment jouer, hein. Donc utilisez le grappin comme ça. Ah, d'accord. Oh boy, ok, je suis arrivé à destination déjà, c'est cool. Donc on peut booster lorsqu'on est en l'air, c'est super génial. Bien sûr, non, t'es pas mobile, voyons donc. Et rien ne vient d'arriver sur la cible. La cible est nulle part. Voyons donc. Hello. Merci, c'est galère, vraiment. D'accord. Appuyez sur RB lorsque vous êtes à proximité d'un titan pour passer en mode combat. Lorsque vous appuyez sur X pour... Attends, désolé. Vous lancez un grappin sur une partie du corps du titan et commencez ainsi un combat en manœuvre tridimensionnelle. Dans cet état, vous pouvez utiliser L pour pivoter et A pour accélérer. Lors d'un combat en manœuvre tridimensionnelle, vous pouvez foncer sur le titan sans utiliser R1. Vous pouvez attaquer des parties du corps du titan en fonçant vers lui et en appuyant sur Y juste avant la collision. Si vous attaquez en courant après avoir utilisé A, vous pouvez... Pour accélérer, vous infligerez des dégâts considérables. Vous pouvez utiliser R pour choisir une partie du corps à cibler et appuyer de nouveau sur X pour lancer un grappin vers cette nouvelle partie. Toutefois, des rotations et des accélérations constantes mettent à rude épreuve les grappins et risquent de les desserrer. Ah, vraiment des problèmes de lecture. Mais j'ai compris en gros. Donc, il faut passer en mode combat. On fait ça comme ça. Ok, boss, c'est bon. Donc, la prochaine cible est où? Attends, vous avez attaqué le titan d'entraînement. C'est sûr. Et là, il n'y a pas de titan, voyons donc. Ouais. Il faut qu'il soit dur avec nous. Ouais. C'est juste du bois, voyons donc. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Et kaboum! Mais s'il n'est pas dur avec nous, c'est... pas bon, on va se faire bouffer par les titans et c'est pas bon pour la santé. Ok, bon, là on va aller vers le coup, on n'a pas trop le choix. Donnez-moi une petite seconde. Si on veut tuer un titan, il faut viser le coup. Voilà, voilà. Et c'est bien cool comme jeu, je veux attaquer des vrais titans, je veux pas des bouts de carton, voyons donc. Ok, c'est bon. Donc, j'ai pas des armes à volonté, n'est-ce pas? Des logisticiens sont apparus près du champ de bataille. Ouais, ils sont là à rien foutre. Ils restent là immobiles. Voyons donc.
Donc, appuyez sur B près d'un logisticien pour vous ravitailler en objets. Ah, pour utiliser des objets en votre possession, appuyez sur 1. Vous pouvez également appuyer sur 1 pour changer d'objet. Votre réserve de gaz diminuera lors d'une manœuvre tridimensionnelle et si elle est épuisée, vous ne pourrez plus effectuer différentes actions. De même, vous utilisez également vos lames à mesure que vous attaquez des ennemis. Utilisez des objets au bon moment pour vous ravitailler si votre équipement est épuisé. Perfecto! Ok, la personne est là-bas. Approchez un logicien, appuyez sur B. Voilà. Yes, merci pour cet objet. Donc, merci pour cette lame, je vais les remplacer. Super, bon, c'est fait. Donc, pour le gaz, ça va être ceci. Ok, nous sommes au max. Ok, 104e brigade d'entraînement, rassemblement. Brigade, j'ai du mal à prononcer le R. Donc, on y va. Ok, c'est bon, c'est le moment. Donc on a 5 minutes pour le faire. Let's go. Pas le temps de niaiser, n'est-ce pas? Wouhou! Je vais tirer le plus de... Oh, je vais tirer le plus de bout de carton possible. Et bravo! Voilà. Donc, on va aller là-bas. Ok, c'est bon, on fait la course, c'est super génial. Oh, faut juste que je m'habitue à appuyer tous les boutons parce qu'il y a plusieurs boutons à appuyer, voyons donc, c'est pas une blague. Oh, voilà, tranquilo, tranquilo, là, comme ça. Oh, oh, il faut s'habituer, c'est comme si je joue du piano, j'ai fait tout ton, 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 ton. C'est pas croyable. Et là, je crois que je vais me ravitailler puisque je suis à côté. Idem, idem. Bon, allez, on y va. Let's go. Il y a un titan qui se retrouve là-bas, mais avant tout, je vais aller chercher quelque chose juste ici. Donnez-moi une petite seconde. Et voilà, merci beaucoup. Ben, une chance que ces personnes sont là, rien foutre, hein. Une chance qu'ils n'utilisent pas leur objet, parce que je suis sûr que s'ils se battent contre un titan, c'est fini pour eux, ils vont se faire taper la fesse. Et... Cabo. C'est une compétition, voyons donc. Ok, ravitaillement, voilà. Un plus grand nombre de titans d'entraînement est apparu. Oh, attends, attends, attends. Okay, il y en a plein là-bas, il y en a trois. On y va. Thomas, Tony et Jean, allez vous faire enculer. Parce que c'est à moi. Oh boy, j'ai hâte de voir des vrais titans plus tard. Ça va être super magnifico. Et kaboom! Voilà, perfecto! Encore quelques bouts de carton, ça va être magnifique! Il ne reste que ce titan sur la map, alors on y va, let's go! Kaboom! Jikanda! Kunlin Shurio! Konkai no Kunlin no Sayushu Seisekisha ou Hopio Suru! Eren Yega! Omae ga Ichida! Yatta! Yatta da! Ichida! Ono no! Konkai no Kekka ou Fumae! Sarani Kunlin ni Hageme! Kaisan! Il y a un titan qui me regarde de façon bizarre, voyons donc. En tout cas, on va rentrer en mode combat, on va péter ses jambes, pourquoi pas. Let's go et cabo. Voilà, voilà. Un autre coup juste ici. Oh, tranquillo, j'ai foiré mon coup. On va aller ici comme ça, voilà, on va péter ses jambes. Oh, voilà, voilà. Maintenant, ceci, pourquoi pas. Oh, j'ai raté mon coup. Mais cela ne fait rien, elle est à terre. Et c'est parti mon kiki, voilà. Pas besoin de péter les bras. Voilà, ce mission supérieure, et là, elle est fuckée dans la tête, hein? Vous avez vu ça? Ok, ce gars-là, il exagère. Voyons donc! Sale traître. Ouh! Oh, ça va faire mal, oui! Ok, c'est parfait, il y a d'autres titans. Lui, il ressemble à mon père, voyons donc. Oh mon dieu, vous avez vu comment il court? Crazy! Mort imminente et temps de concentration. Si suite à l'attaque d'un titan, vous êtes dans un état de mort imminente, vos déplacements seront limités de différentes façons. Par exemple, vous vous déplacerez moins vite et vous ne pourrez pas sauter. Vous pouvez soigner un état de mort imminente en patientant suffisamment longtemps ou en utilisant un fortifiant. Vous passerez en temps de concentration si vous êtes attaqué par un titan, alors que vous êtes dans un état de mort imminente, le temps sera ralenti durant le temps de concentration, alors essayez d'éviter les attaques du titan jusqu'à la fin de la jauge de concentration. Mais faites attention, le temps de concentration ne peut être utilisé qu'un nombre limité de fois. Ok, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant?
Il faut que je bouge mes fesses. Ah! J'ai raté mon coup, je pense. Ah! Lâche-moi! Méchant bonhomme! Oh, je vais pas faire bouffer. Regardez comment je rendais mon arme comme un fou. C'est pas incroyable. Ok, c'est bon. En tout cas, pas le temps de niaiser. On y va, on va péter son bras parce qu'il m'a fait chier dans le cul. On va aller à gauche maintenant. Et c'est parti, mon kiki! Moi, je m'en fous. Pour ce mec-là, là, je vais tout péter. Jambes et bras. Voilà! Il m'a fait chier dans le cul. Le but du jeu, là, c'est juste de péter la nuque du bonhomme, en fait. On n'a pas besoin de péter les bras et les jambes. C'est juste pour le déstabiliser un peu. Alors, on y va! Direct ici! Et lui, là, je voulais le faire souffrir parce qu'il m'a pété la gueule. Vous voyez? J'ai tellement de sang sur moi, c'est incroyable! Oh, le gars, on va se régénérer un peu. Voilà, perfecto! Il a dit, Boupi, soumission de titan moyen réussi. Là, il y aura un titan de 8 mètres ou quoi? What the hell? Ok, d'autres grands titans nous envahissent. Pas croyable. Ouais, alors, une chance qu'on va pas leur soutenir. Attendez une seconde, je vois quelque chose d'intéressant. Et kaboum! Voilà, j'ai obtenu quelque chose. Oh, super! Voilà, équipiers, certains alliés sont des équipiers avec qui vous pouvez collaborer. Les équipiers suivront vos ordres comme se disperser, garder ou se concentrer. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en utilisant un. Avec se disperser, les équipiers combattront automatiquement les titans à proximité. Escortés ordonneront... désolé, vous savez quoi? On va passer tout ça. On n'est pas là pour lire. Bien, en fait, on est là pour lire, mais... Honnêtement, je crois que je peux me débrouiller comme ça tout seul. Je préfère me débrouiller tout seul. Voilà. Je crois que je vais garder se concentrer. C'est aussi simple que ça. Et hop, je vais aller 30 kilos. Je vais passer en mode combat. On va péter ces gens, ouais, pourquoi pas. Comme ça ici. Et voilà. Et comme ça. Et comme ça. Et aussi comme ça. C'est fini pour lui. Soumission complète. On a pété la gueule tout le monde. Et à chaque fois qu'on tue quelqu'un, il est toujours comme ça. Arigato na. Mina de yareba nantoka naru mon da na. Ere! Mo ii daro. Kabe ni ana ga aichimatta nda. Kore ijou koko ni todomaru no wa muimi da. Iya, mada mo 1 piki iru. ヘッケイ正面。超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。よう。5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。 Honnêtement, si je m'approche, c'est fini pour moi, je serai un barbecue, hein? Donc, utilisez RB pour passer en mode combat, puis X pour lancer un grappin. Non, oubliez ça, regardez, je vais faire brûler les fesses, voyons donc. Tout le corps de tout en connaissant les protéger par la vapeur, évidemment, comme dans les mangas, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure, c'est ce que j'ai vu. Bon, allez, utilisez. Oh, contrôlez les canons. Appuyez sur B près d'un canon pour l'utiliser. Ok, ouais, je crois que je sais comment utiliser un canon. Fuck that, j'ai pas envie de dire. Et... Kaboom! Ça prend du temps. Attaquez le visage du titan colossal. Et là, il s'en fout complètement de ce qui arrive. Regardez! On lance des boules de canon sans lequel. Oh non, je sens tellement qu'il va me taper les fesses. Cours! Oh! Ok, non. Fallait que j'attaque son bras depuis tout à l'heure, je le savais. Il l'a dit, mais quand même. Je croyais que juste en m'appuyant, ça allait être correct. Ok, c'est parfait, j'ai fait ce que tu voulais. Voilà! Voyons donc.
Comment, comment il bouge trop sa tête? Mais honnêtement, on dirait que je l'égratigne, comme si c'était une petite piqûre d'abeille. Voilà! Dans sa gueule! Wouh! Comment monter, Eren? Pourquoi les autres ne sont pas là à m'aider? Pourquoi suis-je le seul à être ici? Je sais que les autres ont peur, mais quand même! Regardez mon courage! Vous devez venir avec moi, les amis! Encore un autre coup, c'est correct. Oh, tranquillo! Sauf que je peux le faire si je fais ça ici. Évidemment! Oh, tranquillo, tranquillo, tranquillo! Ne bouge pas trop tes fesses, voyons donc! Donc, on a bientôt réussi notre coup. Yes, sir! Mission réussie! Les mouvements des titans colossales ont cessé. Pour l'instant, en tout cas. やったぜ。うまくいった。呪い。とった。あざ。いっちゃ。外した。 いや、超大型巨人が消えた。デレ、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。 何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。Super. Donc SSSS. Tout est. C'est super génial. Niveau 3. Ok, Eren n'a pas level up, c'est vraiment dommage. Donc médaille, si vous attaquez avec précision et soumettez des titans tout en restant hors de leur portée, vous gagnerez des médailles. Vous recevrez des fonds du régiment supplémentaire selon le type et le nombre de médailles gagnées. C'est super génial. Alors les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois si vous le voulez bien, bien sûr. En tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!